Samedi 30 mai, il est 9h. T'es content d'ouvrir le vlog tout beau là? Ah, je suis habillé là. Ah, t'es magnifique. Non, nous nous emballons pas. J'ai mis du jumeau Maybelline sur mes cernes. Ah, il y a le chef qui arrive. Hé, hey, chef! Ça va ou quoi? Du coup, il est samedi, c'est 9h. Aujourd'hui, on a une double journée qui nous attend. Hier, on a eu une quadruple journée qui s'est passée. Aujourd'hui, on a une double journée qui nous attend. Finition du coffrage et finition de la préparation avant coulage du plancher de la grange. Et on a également finition de la piscine. Ouais. Mais ça sera une vidéo à part. La piscine, ce sera vraiment finition quasiment de la membrane de la piscine. Ça va être long. Donc voilà. Voilà, et sinon, je suis ravie parce que je n'ai plus besoin de me cacher. Oh, tu sais que les gens, ils disaient que je faisais rien dans les vlogs. T'étais en masqué à chaque fois. Et parce que on pouvait pas me voir. C'est pour ça qu'on coronavirus. Pour ça qu'on est bien habillés. Les vrais sauront reconnaître nos tenues, à mon avis. Mais voilà, j'aurais plus besoin de me cacher maintenant. Ça veut dire que tous ceux qui reconnaissent pas, c'est des faux, quoi. Comment non, tu classes les gens, blague. En fait. C'est une petite blague. Que dalle. Voilà, donc je vous mets les vidéos d'hier. Et d'aujourd'hui. Non. Je vous mets les vidéos d'hier. Et d'aujourd'hui. Tu dis pas. Non. Allez. Donc du coup, on vous met les vidéos d'hier. Comme vous pouvez le voir, hier on a fait venir une pelleteuse pour vraiment faire sortir tous les rhizomes des bambous, pour essayer d'en enlever un maximum et de pouvoir s'en débarrasser, et également pour faire sortir toutes les souches des lauriers, et comme ça, disons qu'on a la terre qui est bien plane pour pouvoir un jour faire la terrasse en bois tout autour de la piscine. Et c'est aussi pour ça qu'on a dû sortir les poutres, puisqu'on avait besoin d'accéder à cette zone. Et ensuite, il y a également un camion qui est venu pour pouvoir décharger 14 tonnes de mélange. Ah, c'est impressionnant. Impressionnant. Donc en ce moment même, il y a trois entreprises chez nous. Il y a ici pour enlever toutes les souches. Il y a les piscinistes pour la membrane et on nous livre du béton pour dimanche. Il y en a de partout. Ah ouais, t'es prêt à tout monter? Voilà, 15 tonnes de mélange. Qu'est-ce que tu fais là-haut? C'est vrai, t'en as cassé une? Ouais. Ah bah voilà, on avait dit qu'il fallait se mettre au régime. C'est pas gentil ça. Du coup, faut que je t'en donne une? Faut que je t'en donne une? Bah on en a pas les comme ça. Bah quoi, c'est pas les mêmes que les autres? C'est de la vieille ça. Oh. Chris est en train de jardiner. En fait, je peux pas vous filmer l'état du... Chris, je vais donner la caméra à Chris, parce que moi j'ai le vertige, je peux pas monter là-haut. Mais voilà, on s'est dit qu'il fallait qu'on nettoie le toit du pool house avant que la piscine soit mise en eau, parce qu'on allait tout pourrir. Ça se voit d'ailleurs, il est en train de tout pourrir. En plus, on va y passer le karcher et tout, donc voilà. Bon, en fait, j'ai réussi à grimper, mais pas plus haut que ça. Je peux pas mettre mes jambes sur le toit, c'est juste impossible.
Je sais pas si on voit, mais en fait, il y avait des grands arbres avant autour. Ils ont tout rasé quand ils ont vendu les terrains autour. Et du coup, ça faisait de la... Les feuilles se décomposaient et ça a fait de la terre qui carrément prenait racine dans les tuiles, quoi. Donc là, on s'envoie pour tout gratter. Donc moi, je gratte jusque là, à peu près, jusque où mon bras peut aller. Et puis Chris, il fait toute la zone du fond, puisque lui, il n'a pas le vertige. Moi, si je fais ce qu'il est en train de faire, enfin, c'est pas possible, en fait. J'en suis incapable. T'es beau comme ça, là, avec les arbres en fond. Tu le sais ? T'es beau avec les arbres en fond. Je te jure. Hello. How are you? I'm fine. On est vendredi 29 mai, il est 18h40. C'est ce que je sais dire. Et on va te demander de faire quelque chose. Ouais. De quoi? On t'a demandé d'aller chercher le tuyau d'eau. Pour brancher le karcher. Pour nettoyer la bétonnière. Non, la bétonnière n'a pas servi aujourd'hui. Beaucoup d'outils ont servi aujourd'hui. Mais pas la bétonnière. Mais pas la bétonnière. Je nous filme pas un petit fond d'abord? Vas-y, filme ce que tu veux. Ah ouais, avant qu'il y ait de l'eau dessus. Filme ce que tu veux, vas-y, ferme. Oui. Pas rater ça, on dirait que je suis en pyjama. Pyjago. C'est dans notre merveilleux jardin que je vais chercher le tuyau. Le tuyau. D'où Jésus, le bazar. Le tuyau. No. Le tuyau. Reste là-bas, Sem. Et celle d'aujourd'hui plus tard. Et maintenant, celle d'aujourd'hui. C'est parti. Fatigue. C'est bon? Allez, bonne journée. Dimanche 31 mai, il est 7h, on s'est levé à 6. Je vous avoue que je suis un peu fatiguée. Aujourd'hui, c'est the big day. Donc déjà, comme vous l'avez vu finalement hier, je n'ai absolument rien filmé. Il y avait une équipe dans la piscine qui terminait de poser la membrane. Mais il reste encore un petit truc à terminer. Tout un pan. Donc c'est pour ça que vous n'avez toujours pas vu la piscine. Voilà, on attend que ces derniers pans, il y en a deux en fait, soient posés. Il y en a deux, il y en a même quatre en tout. Et ensuite, il y avait une équipe, enfin il y avait surtout Jo, merci Jo, qui finalisait tout ce qu'il y avait à finaliser, mine de rien, pour pouvoir couler la dalle aujourd'hui. Il y avait beaucoup de choses, notamment des petits coffrages à faire par-ci par-là, monter le chevêtre, vous savez, qui fera la trémie d'escalier. Enfin là, il y avait vraiment énormément de choses, il y a passé la journée. Chris de temps en temps aider au côté piscine, aider au côté dalle. Et là aujourd'hui on est 10, ils sont je sais plus combien de garçons, je crois 7 garçons pour monter les sauts de béton et on coule la dalle. Voilà, ça y est. Donc grosse journée. Pour ceux qui feraient un peu les relous en commentaire, on a prévenu tous les voisins, ne vous inquiétez pas. Comme quoi les bétonnières, il y en a 3. Fonctionnerait dès 7h du matin. On a prévenu tout le monde et tout le monde nous a dit aucun souci, vous inquiétez pas. Voilà. Ah, il y a mon père et mon frère qui arrivent. Je vous laisse. Papa, il est comme moi. Les biceps et les triceps. Les biceps et les quadriceps et les quadriceps.
À la même cinquième bétonnière, on sera bon. Je vous présente le chevêtre, le saut de béton. Voilà, la belle poutrasse là. Bon, on vous reprend que le lendemain pour terminer ce vlog, mais hier soir, vous avez fini tard encore. Ouais. Oh là là, enfin, le temps de tout nettoyer, tout ranger, tout ce que vous voulez en fait. Et plus et plus. Et plus et plus. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog, on espère qu'il vous a plu. T'es content? Ouais. Une bonne chose de faite, non? C'est une chose qui a été faite. Bonne, je sais pas, mais elle a été faite. Gros bisous, bye bye.